Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Que la journée a bien commencé. Alors aujourd'hui les amis, je veux parler d'un thème un peu particulier. C'est un thème qui nous rend tous tristes. En tant que femme, en tant qu'être humain, nous sommes tous au courant de ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui. Nous avons tous vu l'actualité d'une de nos sœurs qui a été tuée par son mari, parce que en fait c'est ça, homicide. Il a tué sa femme, voilà, tout simplement parce que elle était dans un mariage où elle subissait la violence conjugale de son mari. Cet homme avait l'habitude de la battre, il avait l'habitude de l'humilier, il avait l'habitude de la traîner dans la boue. Et il ne s'arrêtait pas uniquement à la battre lui-même, mais il invitait malheureusement les enfants de cette dame aussi pour la battre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable, quoi. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Mais malheureusement pour elle, elle est restée dans ce mariage. Malheureusement pour elle, elle supportait. Elle se disait, voilà, peut-être un jour il va changer, peut-être qu'un jour il y aura amélioration. Sauf que ce jour-là n'est jamais arrivé. Malheureusement, le jour qui arrivait, c'était le jour de sa mort. Vous voyez un peu? Et moi, sincèrement, je tire beaucoup de leçons de cette expérience. Et je vais partager ces leçons avec vous. Je vais partager ceci avec vous. Vous savez, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait penser aux choses que j'écoute chaque jour dans les inbox. Ça m'a fait penser des femmes qui viennent régulièrement me voir. Bon, moi, je vais parler aujourd'hui en tant que femme d'affaires, en tant qu'épouse et en tant que leader de femmes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis leader de femmes. D'un groupe de près de 2000 femmes aujourd'hui. Ce sont des femmes de poigne, des femmes d'envergure, ce sont des leaders, ce sont des femmes à travers le monde entier et je suis leur leader. Donc, je vais parler en tenant compte de tous ces aspects-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, femme, cherche ton argent et fuis les pervers narcissiques. Parce que dans ce monde, il y a de plus en plus ce qu'on appelle les pervers narcissiques qui sont au milieu de nous, qui nous trompent et on s'en rend compte quand on est désarmé. Et je vais vous expliquer pour que vous puissiez les identifier, pour que vous puissiez les fuir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient accuser les pasteurs de cette femme-là, tout le monde vient accuser son église locale, tout le monde vient dire que pourquoi elle est restée dans un mariage pareil, pourquoi, 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 pourquoi. Mais la vérité, c'est que c'est le fruit de la société. C'est le fruit de la société dans laquelle nous vivons. C'est le fruit des enseignements que nous donnons. C'est le fruit de ce que nous vivons chaque jour. Vous comprenez un peu? Donc, la question est vraiment très, très pertinente et je veux vraiment parler aux femmes parce que dans cette histoire, ce sont les femmes qui meurent le plus. Il y a des gens qui ont dit oui, les hommes aussi subissent les violences, mais ils n'en meurent pas, hein? Ils n'en meurent pas. C'est la femme qui meurt le plus. Pourquoi? Parce que la femme, déjà, son corps, elle subit tellement de transformations de son corps à partir de l'âge de puberté. Elle subit tellement de coups de son corps que son corps se fatigue vite. Son corps devient trop fragile. Et il suffit d'un coup pour qu'elle tombe, pour qu'elle soit à terre. Donc faites très attention, mesdames. Alors, je vais te dire aujourd'hui, en tant que femme, il y a une chose que tu ne dois jamais négliger dans ta vie. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que c'est comme ça que vous partez tomber dans les pièges. C'est comme ça que vous partez. Et ensuite, tu dis, si je savais. Ensuite, tu dis, oh, voilà. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a une chose en tant que femme que tu ne dois jamais négliger dans ta vie. Quand vous me voyez venir sur Facebook, faire les lives, parler comme je parle, venir faire des formations, venir encourager les femmes, c'est parce que je comprends trop bien ces choses. Vous n'êtes pas dans mes inbox pour voir ce qui se passe. Vous n'êtes pas dans les coachings pour écouter les femmes. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir en coaching. Ça, c'est une histoire que, quand j'ai suivi l'histoire de la chantre, je me suis souvenue de cette dame et je me suis demandé, mais où est cette dame même? J'espère
qu'elle est toujours en vie. Cette dame était venue me voir. Elle me dit, ma Karine, je dois absolument te voir parce que j'ai besoin que tu me parles. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit qu'elle est dans le mariage. Ce n'est même pas un mariage parce que c'est souvent ça les signes aussi. Il y a un homme qui est venu la doter, la prise pour l'amener chez lui. C'est un monsieur très riche. Un monsieur qui a de l'argent, en tout cas, il a de l'argent pour prendre une belle maison, pour acheter une belle voiture. Il a mis une belle voiture à sa disposition avec chauffeur. Il a les ménagères et tout à la maison. Sauf qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle ne peut rien faire. Et le langage du monsieur, c'est les coups de poing. Donc, quand il n'est pas content, c'est des coups de poing. Quand il n'est pas satisfait de quelque chose, c'est des coups de poing. Quand elle oublie quelque chose, c'est des coups de poing. Si elle prend une décision sans le consulter, c'est des coups de poing. Son langage, c'est les coups de poing. Elle me dit, ma Karine, s'il sait même que je suis venue vous voir, il va me battre. S'il sait que je suis ici, il va remuer toute la ville pour me retrouver. Il va renouer, il peut même revenir où nous sommes là, faire le scandale. Je dis, quoi? Il est normal. Elle me dit, c'est comme ça qu'il est. Je dis, et qu'est-ce que ta famille dit de ça? Ta famille est-elle au courant? Elle me dit, oui, ma famille est au courant, mais ma famille me demande de supporter. Que c'est grâce à lui que je suis sortie de la pauvreté. C'est grâce à lui que les enfants fréquentent. C'est grâce à lui que les gens de la famille sont un peu bien. Et je vous assure que ces situations, nous en avons énormément dans notre communauté africaine. Nous en avons tellement. Et la dame, tu vois, une belle fille, une fille de moins de 26 ans, mais il fallait la voir, déjà terne, en train de pleurer. Donc pendant qu'elle me parlait, elle pleurait, elle essuyait tout le lotus que j'avais. Bon, voilà, on appelle ça comme ça ici. Je lui ai donné, tout est fini. Tellement elle pleurait, elle ne s'arrêtait pas. Elle pleurait, elle ne s'arrêtait pas. Je dis, comme attends, qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle dit, elle n'a pas le soutien de sa famille pour fuir. Et si elle fuit, elle va aller où? Avec ses 4 enfants, elle va aller où? Elle n'a rien. Elle ne travaille pas. Le monsieur ne veut même pas qu'elle travaille. Le monsieur a des relations. Il a des relations bien placées. S'il veut qu'elle trouve le travail, elle va trouver le travail. Mais le monsieur ne veut pas. Le monsieur ne veut même pas que quelqu'un l'aide. Le monsieur ne veut même pas qu'elle soit sur Facebook. Le monsieur ne veut pas qu'elle soit sur Facebook. Je me dis, ok, comment tu me connais alors? Elle me dit, ce sont vos vidéos YouTube. J'écoute vos vidéos sur YouTube. C'est grâce à YouTube que je vous ai connu. Quand j'ai su que vous étiez au Cameroun, j'ai dit, il faut que je vous voie. Il refuse Facebook. Il dit qu'il y a les coachs sur YouTube, Facebook, qui vont aller détourner la tête de sa femme. Donc, il ne veut même pas qu'elle écoute Facebook. J'ai regardé la jeune fille comme ça. J'ai dit, ma soeur, tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Elle me dit, je ne sais pas. Elle me dit, coach, cerise sur le gâteau. Il me trompe comme il veut. Quand je lave ses vêtements, je ne peux pas fouiller un pantalon sans retirer les préservatifs. Hein? Et je ne peux pas me plaindre. Si elle se plaint, c'est les coups de poing. La dame est devenue le tam-tam de ce monsieur. Je vous assure, mes soeurs, faisons très attention. Faisons très attention. À un moment, elle me dit qu'à un moment donné, elle a pensé faire l'immigration canadienne pour fuir le pays. Mais pour faire l'immigration canadienne, à un moment donné, on te demande les actes de naissance des enfants. On te demande l'autorisation parentale. Il faut encore rentrer, prendre son autorisation parentale. Est-ce qu'il va accepter? Il ne va jamais accepter que ses enfants sortent. Il ne va jamais accepter. Et les enfants ont déjà un certain âge. Comment tu fais? Elle dit, je ne sais pas comment je peux faire. Je lui demande, bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à te mettre en mariage avec un homme pareil? Elle me dit, au début, il était gentil. Au début, elle était à l'abri, il était bien et tout. La seule chose qui avait fait un peu qu'elle se pose des questions, c'est que l'ex de cet homme était aussi battu. L'ex de cet homme était battu. Et l'ex de cet homme envoyait souvent certains messages parce qu'ils avaient eu un enfant et elle envoyait souvent certains messages. C'est ça qui avait un peu fait que voilà. Mais comme le monsieur la gavait de présent, le monsieur la mettait à l'aise, bon, elle était tranquille. Et de l'autre côté, vous savez que les parents aussi jouent un rôle très important. Vous voyez? Donc de l'autre côté, le monsieur avait su se positionner dans la famille comme le bread provider, comme le sauveur de la famille. Parce que les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils font.
Les pervers narcissiques, ils s'arrangent à faire en sorte que quand tu te plains même, on pense que c'est toi qui as tort. Quand tu te plains, on demande que tu te plains pourquoi, alors que tu es dans une belle maison, tu roules dans une belle voiture, tu es bien. Mais le pervers narcissique s'arrange pour te tuer à petit feu, pour te détruire, pour que tu deviennes l'ombre de toi-même. Et c'est ce que beaucoup parmi vous, vous vivez. Beaucoup parmi vous, vous les femmes qui êtes en train de m'écouter là, vous sortez avec les maris des autres qui sont des pervers narcissiques dans vos vies. Vous commencez avec lui. Prochaine chose, il t'a déjà engrossé. Il t'a déjà engrossé. Il t'engrosse et il ne veut pas que tu travailles. Il part t'isoler quelque part où tu te retrouves seul. Il te coupe du monde. S'il veut encore bien t'amagouiller, il fait l'effort d'être l'ami de ta mère, l'ami de tes parents. Il gave de cadeaux de tes parents, mais tu deviens sa prisonnière. Et il aime ça. C'est pas que ça lui donne quelque chose, c'est juste qu'il aime ça. Il aime savoir que tu es sa chose. Il aime savoir qu'il peut faire ce qu'il veut de ta vie. Il aime savoir que, en fait, tu vis à son rythme. Il aime ça. Mais je viens t'apporter la délivrance aujourd'hui. Tu comprends? Je viens t'apporter la délivrance pour te dire que tu dois fuir quand tu te retrouves dans ce genre de situation. Parce que ta vie est plus importante que ce que tu es en train de vivre. La preuve, c'est que tu ne... En fait, quand tu es dans cette situation, tu ne profites plus. Ce n'est plus l'amour même fini. L'amour s'estompe. L'amour disparaît. Le plaisir disparaît. Le plaisir de la belle voiture disparaît. Le plaisir de la belle maison disparaît. Tu deviens dans une cage dorée. Ce qui fait en sorte qu'on profite de la richesse, hein, les amis, c'est la liberté. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ce qui fait en sorte qu'on profite de la richesse, c'est la liberté. Une richesse sans liberté, ce n'est plus une richesse. Ça ne sert plus à rien. Tu comprends? Donc aujourd'hui, je vais te dire, femme, cherche ton argent. Cherche ton argent. La plupart des femmes qui se retrouvent coincées à ce niveau, c'est parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Sur 100 femmes qui vivent la violence conjugale, elles vont te dire que je quitte de là pour aller où? Je quitte de là pour aller où? Je vais faire quoi? Des enfants. Je vais subvenir à mes besoins comment? Sur 100 femmes, 100 vont te dire qu'elles partent où? Est-ce que toi qui lui demandes de partir, tu vas prendre soin d'elle? Est-ce qu'on peut encore l'accepter dans la maison de ses parents? C'est ça leur question. Je pars où? C'est lui qui paye tout. Mes camarades vont se moquer de moi. Mes camarades vont dire que parce qu'elle n'a pas son gagne-pain. Ma soeur, l'une des choses que tu dois apprendre à faire pour toi-même, quand tu sais écrire et lire, c'est de chercher ton argent. Apprends à chercher ton argent. Et vous allez observer, les femmes qui ont leur argent, on ne les traite pas n'importe comment. Jamais. Les pervers narcissiques disent qu'elles sont des insoumises. Les pervers narcissiques disent qu'elles veulent commander l'homme. Les pervers narcissiques vont dire qu'elles pensent que tout tourne autour de l'argent. Ça, c'est le langage des pervers narcissiques quand ils rencontrent une brave femme. Quand ils rencontrent une femme qui sait gagner son argent. Quand ils rencontrent une femme qui n'accepte pas n'importe quoi. Quand ils rencontrent une femme qui ne vit pas selon ce qu'un homme lui donne. Il va commencer à dire du n'importe quoi. À dire que, oh, on va voir, elle va finir seule. Elle va finir seule. Eva, pour justifier les conneries. On ne traite pas une femme qui gagne son argent n'importe comment. On ne parle pas à une femme qui gagne son argent n'importe comment. Quand un homme sait que si tu sors, je vois ça chaque jour dans les coachings. Chaque jour dans les coachings. Quand un homme tombe devant une femme, et vous allez voir, c'est pervers narcissique. Ils vont toujours aller prendre les petites étudiantes qui ne connaissent rien de la vie. Ils vont aller prendre les femmes qui ne peuvent pas s'offrir leur lait de toilette elles-mêmes. Ils vont aller prendre les blessés de guerre pour les blesser davantage. Quand ils tombent devant les femmes de caractère là, quand ils se rendent compte que c'est une femme qui a le pouvoir économique, s'il ne peut pas te détruire psychologiquement, il te donne la grossesse. Oui, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que vous devez faire très attention.
Vous qui partez faire n'importe quoi avec n'importe qui, la faites très attention. Parce que ta vie peut finir de cette façon. Tu vois un peu? Tu peux détruire ta belle vie là de cette façon. Ta belle vie, ton beau corps là, de cette façon. Il te met la grossesse. Il sait qu'avec la grossesse, il va te démoraliser. Et je vais parler ici aux filles d'église. Parce que vous êtes la cible des pervers narcissiques. Quand vous tombez dans les bras des pervers narcissiques, il te fait premièrement tomber dans le péché. Quand tu es déjà tombé dans le péché, il commence à te faire chanter. Il te dit, si je pas dit, si on te voit comme ça là, alors que tu es une dangereuse, il commence à t'atteindre psychologiquement. Du coup, tu restes avec lui. Il sait que dans les 2 mois qui suivent, c'est la grossesse qui va rentrer. Quand tu tombes enceinte, c'est fini. C'est fini. Il va te tenir avec ça. Les prochains langages seront, ce sera déjà, oui, tu pars avec mon enfant. Tu vois que quel est l'homme qui va t'épouser avec un enfant? C'est ça qu'il va te dire. Quel est l'homme qui va t'épouser avec un enfant? Tu as vu ça où? Tu veux faire souffrir l'enfant pour rien? C'est ça les pervers narcissiques. Tu veux faire souffrir mon enfant pourquoi? Tu veux qu'on appelle mon enfant bâtard quelque part? Oui, il va commencer à te dire ça. Et ça va te travailler. Ça va te travailler. L'enfant doit grandir avec son père. L'enfant reconnaît toujours son père. Tu pars où? Reste là. Quel homme qui va te prendre? Regarde comment tu es. Il va commencer à te dire des conneries comme ça. Et toi, comme tu es une fille d'église, tu vas commencer à dire que oh, vaut mieux je me marie avec le père de mon enfant si. Ah, ouais. Oh, on a un enfant, non? Donc, marions-nous allons ensemble. Je vais seulement supporter. Il te cogne, il te tape bien. Tu es là, tu supportes. Ouais, il m'a dit qu'il allait m'épouser. Il a dit que tu supportes, tu restes. Tu ne fais que supporter. Il ne fait que te détruire. Tu ne fais que supporter, il ne fait que te détruire. Quand tu dis tu as besoin d'argent, tu as besoin de prendre soin de toi, il te dit que tu as les longs yeux. Tu vois ça? Il te dit que tu as les longs yeux. Tu ne sais pas supporter. Hein? Tu ne sais pas qu'il y a des femmes qui ont supporté dans la pauvreté avec leurs hommes pour qu'ils deviennent bien. Un homme qui est pauvre et qui te bat, fuis-le. Il est pauvre et il n'est pas gentil. Il est pauvre, il te bat. Fuis-le, ma soeur. Il va te dire ça. Que oui, il y a les hommes, il y a des femmes qui ont supporté dans la pauvreté avec leurs hommes et ensuite l'homme est devenu riche. Il te fait miroiter quelque chose. Ça fait 5 ans que tu es là. Aucun changement. Parce que ce genre d'homme-là, comment Dieu les bénit même? Est-ce que Dieu va les bénir? Ça fait 5 ans que tu es là. Il a fait sa première fois, tu as eu un enfant. Deuxième fois, deuxième enfant est entré. Troisième, tu as finalement 4 enfants. Tu pars où? Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est lui qui commence à te dire que tu vas aller où? Et directement, il commence à te tromper. Parce que, écoute, c'est des pervers narcissiques. C'est des pervers narcissiques. Et entre-temps, tu es là. Tu observes. Tu regardes. Le temps ne fait que passer. Plus le temps passe, il sait que tu perds tes chances. Bien sûr. Plus le temps passe, il sait que tu perds tes chances. Et tu restes là. Ma soeur, un homme qui refuse que tu exploites tes talents, que tu cherches ta richesse pour t'occuper de toi et de tes enfants, fais très attention. Je vous en supplie. Le monde est en train de changer à une dimension pas possible, mes amis. Il y a quelqu'un qui dit, Madame, vous êtes en train de dévier. S'il te plaît, écoute très bien ce que je suis en train de te dire ici, là. Vous savez, il n'y a aucune richesse intéressante qu'on cherche sans avoir la paix. Tu comprends? J'ai le droit d'éduquer ma communauté. J'ai le droit d'avertir ma communauté. J'ai le droit de prévenir ma communauté. D'accord? Je vous apprends à créer de la richesse. Je vous apprends à être heureux avec la richesse que vous créez. À quoi ça te sert d'être riche et de ne pas profiter de cette richesse parce que tu es mort? Parce que tu es morte. À quoi ça te sert de perdre le temps quelque part alors que tu aurais pu aller chercher ta richesse? Donc, wake up. Be careful. Faites très attention, mes soeurs. Je vous assure, faites très attention. Il y a trop de pervers narcissiques là-dehors. Les gens qui n'ont pas la valeur de la vie. Les gens qui veulent détruire leur vie et détruire la vie des autres personnes. Les gens qui sont prêts à te faire perdre 5 ans, 10 ans. Oui, il finit de te faire perdre 5 ans. Il peut encore faire perdre 5 ans à une autre personne. Il enchaîne comme ça, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Mais toi, tu dois aller loin dans la vie. Fais très, très attention. Fais très, très attention. La vie est plus importante que tout. Ta vie est plus importante que tout. Voilà la chantre qui est morte. Elle laisse 4 enfants. Qui va s'occuper de ces 4 enfants?
Ce qui m'a encore énervée dans cette histoire de la chambre, c'est que quand elle partait faire les concerts, le monsieur récupérait l'argent. Tu te rends compte? Tu vois ça? Tu vois un homme pareil? Tu vas te battre pour gagner un peu d'argent. Quand tu rentres à la maison, il récupère. Oui, ce sont les pervers narcissiques qui disent que tu es en train de dévier. Oui, parce qu'ils n'aiment pas qu'on ouvre les yeux à d'autres personnes. Vous voyez? Tu finis de chercher ton argent. Il vient, il récupère tout. Et il te bat. Mes soeurs, ayez un peu d'amour propre pour vous-même. Ayez un peu d'amour propre pour vous-même. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer. D'abord, une femme, hein, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, une femme, la première personne qui doit t'aimer, c'est toi. La première personne qui doit t'aimer toi-même, c'est toi. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, personne ne pourra t'aimer plus que toi-même. On a vu des femmes belles dans la maison de leur père. Jolies, belles, attirantes. Mais pour peu qu'elles se mettent dans une relation bizarre, elles deviennent ternes, elles deviennent moches, elles deviennent grosses patapouf à cause du stress. Il y en a de ces femmes. Elles ont déjà bu le thé fatigué pour maigrir. Ma soeur, ce n'est pas le thé. Ce n'est pas le thé. Le problème ne vient pas de l'inefficacité du thé. Tu vis dans une maison où tu es démoralisé. Tu es dans une relation où tu es bafoué, où tu es battu, où on sape ton moral chaque jour. À cause de ça, tu manges. À cause de ça, tu prends le poids. Tu penses que c'est le thé qui va t'aider? Le thé ne peut pas t'aider. Le thé ne pourra jamais t'aider. D'autres, elles perdent le poids à cause de cette situation. Elles maigrissent. Elles disparaissent totalement à cause de ça. Mes soeurs, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous placer dans le miroir et à vous aimer. Le fait qu'une femme ait des enfants ne veut pas dire que sa vie est finie. Je vous en supplie, écoutez ça très bien. Parce que ça, c'est le problème des femmes. Tu penses que parce que tu as les enfants, ta vie est finie. Non. Les femmes qui parlent souvent avec moi, je leur dis que, écoute, malgré ton équipe de foot, qu'on appelle tes enfants nombreux là, malgré ton équipe de foot, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer. Qui va te respecter. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer et qui va te respecter. À un certain âge, en tant que femme, tu ne cherches pas un partenaire qui va te donner de l'argent, mais qui va te respecter. L'homme qui te respecte est préférable que l'homme qui te donne de l'argent. L'homme qui te valorise est préférable que l'homme qui te donne de l'argent et qui te détruit le mental. Et qui te sape le mental. Quand tu as le bon mental, tu vas chercher l'argent, tu vas trouver l'argent. Quand tu as le bon mental, tu vas créer ta richesse. Tu vas bâtir tes empires. Mais quand tu pleures chaque jour, tu vas réfléchir comment? Quand tu souffres à l'intérieur de toi chaque jour, tu vas réfléchir comment? Il y en a. On vous insulte aller et retour, mais vous êtes toujours là. On vous détruit, on insulte vos enfants, on vous insulte devant vos enfants. Mais attendez, faites très attention. Apprends à t'aimer toi-même. Prends soin de toi en tant que femme. Prends soin de toi, ma soeur. Prends soin de toi. Apprends à te faire belle. Apprends à te donner de la valeur pour que d'autres te donnent de la valeur. Et ne tolère pas n'importe quoi quand tu n'es pas encore rentré dans la maison de l'homme. Tu es avec un homme, il ne t'a pas encore épousé, mais c'est lui qui passe son temps à te tromper. Fuis-le. Parce que quand vous allez vous marier, ça ne va pas s'arranger, ça va s'empirer. Le mariage amplifie ce qui existait avant. Tu comprends ça? Je dis, le mariage amplifie ce qui existait avant. Si tu sais que tu n'es pas quelqu'un qui aime les tromperies, ne va même pas de ce côté-là. Et il y en a, on va vous tromper en vous disant que, oui, regarde, tu vas faire comment pour trouver la bonne personne alors? Le temps est en train de passer, ma chérie. Que le temps passe. Pendant que le temps passe, si ton compte bancaire est en train de grandir, tant mieux. Et moi, je vais vous dire, une femme qui gagne de l'argent ne chôme jamais en amour. Il faut le savoir. Vous comprenez ça? Comprenez-le et comprenez-le une fois pour toutes. Une femme qui gagne son argent ne chôme jamais en amour. Jamais. Parce qu'une femme qui sait gagner de l'argent, elle a des manières. Elle a une façon de faire.
elle a une attitude. Elle a un goût. Elle a une façon de faire qui attire une qualité d'homme. Tu comprends? Ce qui peut la tuer, c'est quoi? C'est qu'elle est vilaine. Peut-être qu'elle est vilaine. Mais si elle est douce, agréable, elle ne va pas manquer d'homme. Elle ne va jamais manquer d'homme. C'est même elle qui va plier. C'est même elle qui va faire le choix. C'est elle qui va dire que celui-là, je ne veux pas. Celui-là, je ne veux pas. Mais même à 50 ans, elle sera courtisée. Vous voyez, vous connaissez Oprah Winfrey. Vous connaissez son âge. Oprah Winfrey, jusqu'à l'heure actuelle, elle est courtisée. Donc, arrêtez qu'on vous trompe, à gauche et à droite, n'importe comment là. Parce que c'est ça les pervers narcissiques. Il va te dire que, oui, là, j'ai en train de passer. Quand un homme commence à te dire ça, il faut le fuir. Parce que ce n'est pas lui de te dire ça. Qui laisse que ta mère te le dise? Ça, c'est ta mère qui doit te dire ça. C'est tes tata qui doivent te dire ça, mais pas un homme. Quand un homme commence à te dire ça, il faut faire très attention. Il te dit ça et il te tape. Il te dit ça et il te maltraite. Il te dit ça et il ne veut pas que tu te déploies. Non, tu dois faire très attention. Tu dois faire très, très attention même. Prends soin de toi. Apprends à te faire belle. Apprends à t'aimer. Apprends à te donner de la valeur. Et moi, je vais vous dire, les femmes, faites très attention. Faites très attention. Vous devez vous donner de la valeur vous-même. C'est la raison pour laquelle tu dois chercher ton argent. Comment tu vas prendre soin de toi sans argent? Comment tu vas prendre soin de toi sans argent? Tu dois prendre soin de toi. De temps en temps, tu prends ton billet d'avion, tu voyages. Tu vas à Dubaï. Tu te filmes bien. Tu reviens. Tu vas à Paris. Tu te filmes. Oui, tu reviens. Pour faire comprendre à ceux qui sont autour de toi là que tu peux le faire de toi-même. D'abord, moi je vais vous dire quelque chose. Quand je devais me marier, quelqu'un m'a appelé pour me donner un conseil que je n'oublierai jamais. La personne m'a dit, ma Karine, dans le mariage, chacun vient avec sa part. Vous mettez ensemble et vous avancez, vous évoluez. Ne sois pas la femme qui va aller tout prendre de l'homme. Ne sois pas la femme qui sera la consommatrice. Tu comprends? Donc, apprends à chercher ton argent. Quand on vous dit de vous former, tu es une jeune femme, tu as passé les 5 dernières années, tu ne t'es pas formée quelque part. Tu n'as pas ajouté de la valeur. Tu ne t'es pas ajouté de la valeur. Ce n'est pas normal, ma soeur. Écoutez bien les femmes. Les femmes qui vont se démarquer dans cette saison, ce sont les femmes qui vont apprendre à s'ajouter de la valeur. Et une femme qui s'ajoute de la valeur, ce n'est pas son beau make-up. Ce n'est pas son beau rouge à lèvres. Ce n'est pas sa belle perruque. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Tu comprends? S'il vous plaît, apprends à t'ajouter de la valeur. C'est la valeur interne. Écoutez, il y a un niveau, hein, la beauté de la femme, ce n'est pas juste le physique. Tu comprends ça? Quand tu es encore dans les 15 ans, 20 ans là, c'est le physique. Mais à un certain niveau, ce n'est plus ton physique. À un certain niveau, c'est what you bring to the conversation. C'est ce que tu apportes à la conversation. C'est ce que tu apportes sur la table. C'est la plus-value que tu apportes. À un certain niveau, même si elle est comment et qu'elle a une valeur intrinsèque, on sera obligé de l'écouter. On sera obligé de s'arrêter et de l'écouter. Tu comprends ça? C'est la raison pour laquelle, en tant que femme, passe le temps à t'ajouter de la valeur. Je vous avais dit un jour que femme, pour déterminer que c'est un homme qui te veut du bien, c'est un homme qui veut te voir avancer, ça doit être un homme qui est prêt à te voir, en fait, qui est prêt à investir dans tes formations, à investir dans ta transformation, à investir en toi. Tu comprends? C'est ça. Donc, faites très attention. Ajoutez-vous de la valeur. Allez, formez-vous en développement personnel. Formez-vous pour avoir un nouveau métier, pour connaître un nouveau métier. Formez-vous en marketing. Tu vois? Formez-vous.
C'est très important. Quand tu es formée en tant que femme et que tu ouvres la bouche pour parler, même les pervers narcissiques vont se taire. Même les pervers narcissiques vont te respecter. Même les pervers narcissiques, pour t'avoir, ils seront obligés de réviser leur tactique. Ils seront obligés de réviser ce qu'ils font pour avoir les femmes. Mais quand tu es une femme ordinaire, il n'a pas besoin de trop réfléchir. Il commence à te dire que tu es belle. Tu es différente des autres. Quand il commence à te dire ça, tu es déjà tombée. Tu es déjà tombée. Mes soeurs, concentrez-vous. Cherchez votre argent. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, l'âge n'est plus un problème. Vous comprenez ça? L'âge n'est plus un problème. Tu comprends? Concentre-toi pour chercher ton argent. Sois à l'abri du besoin. Concentre-toi pour chercher ton argent. Sois à l'abri du besoin. Quand tu seras à l'abri du besoin, tu vas attirer la bonne personne. Un homme qui vient te trouver avec ton entreprise et qui te dit laisse ton entreprise, toi tu comprends que tu dois le fuir. Mais il te trouve avec ton entreprise, il commence à t'aider, à te faire grandir. Voilà, c'est bon. Il faut racheter le temps. Soyons sages les femmes. Ne nous laissons plus avoir n'importe comment. Nous ne sommes pas des tam-tams. Qu'on va nous battre. Comment un homme même peut réfléchir pour battre une femme? Franchement, comment quelqu'un peut réfléchir d'une façon, d'une pareille façon? Comment tu peux réfléchir, lever la main pour battre un adulte? Même les enfants, moi aujourd'hui, il y a les enfants à un certain âge, tu ne peux même plus taper l'enfant. Combien de fois un adulte? Comment? Par rapport à quoi? Bon, après, je dois quand même attirer votre attention pour dire quelque chose. Hein. Depuis la semaine passée, on est en train de parler de la violence faite aux femmes et tout, et tout, et tout. Mais comme je connais mes soeurs, je vous connais. Pendant cette période-ci là-haut, ne profitez pas pour sortir aussi vos mauvais côtés. Parce qu'on se connaît. Hein? Ne profitez pas pour sortir vos mauvais côtés que l'homme qui était même calme, tu commences à le tenter. Tu commences à dire que, ah oui, tu as aussi commencé à me taper. Tape-moi là, on voit. Tape-moi là, tu commences à le tenter. Et finalement, il porte la main sur toi alors qu'il ne t'avait jamais tapé. Parce que je vous connais. On se connaît. Vous êtes dans mes inbox chaque jour. Vous voyez un peu? Donc, s'il te plaît, c'est pas parce que ça a cuit chez l'autre que ça va aussi cuire chez toi. Non, vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'avez pas épousé le même style d'homme. Chez l'autre, peut-être que voilà, c'était un homme, un homme qui n'a pas de valeur pour les femmes. Mais toi, depuis 5 ans de mariage, ton mari ne t'a jamais tapé. Depuis 10 ans de mariage, il ne t'a jamais tapé. Comme partout sur Internet, on dit ceci, c'est tout et tout. Tu vas aller changer les choses et commencer à faire du n'importe quoi chez toi, s'il vous plaît. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et en tant que femme sage, tu dois arranger ta maison. Tu dois bâtir ta maison. Mais on dit de bien choisir dès le départ. Dès le départ, choisis bien. Et ensuite, tu construis. Ensuite, tu construis. Tu fais grandir. C'est très important. Oui, vous êtes en train de rire. Mais attendez, on se connaît les femmes. On se connaît. Donc, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas bien passé chez l'autre que toi aussi tu auras le même témoignage pour qu'on mette sur les réseaux sociaux que voilà et tout ça. On parle dans la famille que oui, non, tu n'as pas besoin de ça. D'accord? Tu n'as pas besoin de ça. Si c'est un tyran, d'accord, on va comprendre. Mais si c'est quelqu'un, vous avez vos hauts, vous avez vos bâches, toute maison a ses problèmes, vous comprenez? Il n'y a aucun foyer où il n'y a pas de mésentente, d'accord? Toutes les familles, tous les foyers ont leurs problèmes. Cependant, on sait très bien qu'il y a des limites, quoi. On sait très bien qu'il y a des limites. Donc, faites l'effort. Et c'est pour ça que je vous dis, le développement personnel est très important. Toi, femme, cherche le développement personnel pour toi et pour ton mari. C'est très important. Apprenez à être des complices quand vous êtes dans un mariage. Apprenez à être des complices. Si ton mari, c'est ce qu'on appelle une bonne terre. Si c'est une bonne terre, ça veut dire quoi? Quelqu'un qu'on peut lui parler. Il peut écouter quand on lui fait un reproche. Voilà. Évoluez ensemble. Améliorez-vous régulièrement. Grandissez ensemble. Vous voyez? Et puis vous allez voir comment les choses seront bien. Dans le mariage, on se façonne. On se façonne, on se façonne. Personne n'est parfait, hein? Personne n'est parfait, mais on s'améliore, on se façonne, on évolue ensemble, on avance ensemble. Hein? Vous comprenez? Donc, la femme sage bâtit sa maison. Mais moi, je veux attirer l'attention des femmes, cherchez votre argent. Donc, là, il y a le bootcamp qu'on a lancé.
Les inscriptions du bootcamp sont en cours. Donc, apprenez à vous former. D'accord? Formez-vous, augmentez de la valeur, rencontrez les bonnes personnes, travaillez vos émotions. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit que tu es belle, te donne beaucoup d'argent, que c'est la bonne personne. Non, non, vraiment. Ce n'est pas pour ça. Il doit prouver. Il doit le prouver. Les femmes que j'encadre, je leur dis, ne soyez pas cheap auprès des hommes. Les femmes d'affaires que j'encadre qui ne sont pas encore mariées, ce sont les femmes que, quand je prie, elles prennent vraiment même 50% de mes sujets de prière parce que j'ai trop peur pour elles. Trop peur vraiment qu'elles fassent des mauvais choix. Je leur dis toujours, ne vous vendez pas moins cher. Ne vous vendez pas moins cher. Un homme, avant de vous avoir dans sa maison, il doit un peu souffrir. J'ai une jeune dame comme ça qui avait abandonné ses études après son master et elle voulait faire son doctorat. Elle est allée rester en mariage pendant 5 ans. 5 ans après, elle s'est inscrite en thèse doctorat. Elle a recommencé les études et c'était dans une autre ville. Donc, quand elle revient en famille pour retrouver son mari, retrouver les enfants, son mari lui dit, tu as changé. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Elle sourit. Quand elle me disait ça, je dis, bon, dis-moi alors, qu'est-ce qui a changé? Elle me dit que bon, c'est que depuis que j'ai recommencé à aller à l'école, je fais mes ongles, je me coiffe, je m'épile, je sens bon. Puisque je dois sortir chaque jour pour aller voir les gens, donc je sens bon. Voilà. Et il remarque ça et puis il me dit que j'ai changé. Je dis, tu vois, ça change. Ça change. C'est sûr que ça change. Quand tu sors, tu vas rencontrer des gens, ça change. Tu vois, c'est important. Même ta façon de parler, ta façon de te tenir, ta façon de manger. Ça, et il remarque, l'homme remarque tout ça, mes soeurs. Il remarque tout ça. Donc, apprends à te donner de la valeur. Apprends à chercher ton argent. Et ne néglige pas les petits commencements, ma soeur, parce que ça, c'est souvent vos problèmes. C'est souvent vos problèmes. Vous négligez vos petits commencements. Nous tous, on a commencé au bas de l'échelle. On a commencé petit et on a grandi. Le niveau où tu es aujourd'hui, là, tu ne seras plus là-bas dans un an. Tu ne seras plus à ce niveau dans 2 ans. Tu ne seras plus à ce niveau dans 5 ans si tu persévères. Commence quelque chose et persévère. Sois diligente dans ton travail. Sois une battante et une gagnante. Tu comprends? Sois une battante et une gagnante. Travaille chaque jour pour voir ta vie changer, pour voir ta situation changer. Pense à tes enfants, celles qui ont des enfants, pensez à vos enfants. L'éducation d'un enfant est primordiale. Tu vois? L'éducation d'un enfant est primordiale. L'éducation d'un enfant est primordiale. Et il n'y a qu'une mère pour pleurer quand son enfant n'a pas eu une bonne éducation. Il n'y a qu'une mère pour pleurer. Tu comprends? Donc, paye le prix pour voir tes enfants. Paye le prix pour voir tes enfants évoluer. Paye le prix pour donner un avenir meilleur à tes enfants. Commence ta petite activité quelque part. Toi qui es fonctionnaire, toi qui es employé quelque part, prends tes petits 50 000, tu commences une activité quelque part. Prends tes petits 100 000, tu commences une activité quelque part. Celles qui ont un peu plus d'argent, vous qui épousez les hommes riches, qui vous gardent dans les cages dorées là, vous qui êtes avec les hommes riches, qui vous gardent dans les cages dorées, soyez sages. Soyez sages. Je vais vous dire, il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup impressionnée. Parce que moi, je suis une femme d'affaires, d'accord? Et vous savez, les affaires, c'est le mindset, d'accord? Et quand tu es dans les affaires, tu dois prendre tout ce qui peut t'aider à muscler ton mindset, à avoir une façon de voir et prendre certaines décisions. Dans la Bible, il y a cette histoire de ce monsieur qui travaillait et qui avait des amis riches, d'accord? Et la Bible te dit que ce monsieur a privilégié ses amitiés. Donc, il a bâti des bonnes relations avec ses amis riches. Et quand il est devenu pauvre, ce sont ses relations avec ses amis riches qui l'ont aidé à se relancer, qui l'ont aidé à se positionner, qui l'ont aidé, en fait, qui l'ont aidé à trouver une voie de sortie. Alors, toi là,
toi là, tu es là dans une relation avec quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est riche. Ma soeur, ne sois pas bête, ne sois pas stupide. Apprends tout ton argent pour porter les perruques comme Marthe Karine. Maman, au début, je ne portais pas les perruques comme ça, hein. Tu comprends? Au début, je ne mettais pas les ongles comme tu vois aujourd'hui. Je ne pouvais même pas oser ce genre de couleur. Je n'osais pas ça. Parce que je n'avais pas. Je n'avais pas. Et quand tu n'as pas, tu fais profil bas. Quand tu n'as pas, tu investis. Ce n'est pas l'histoire de job. Ce n'est pas ça. C'est une autre histoire. Quand tu n'as pas, tu investis. Quand tu n'as pas, tu épargnes. D'accord? Aujourd'hui, je peux. Voilà, je suis dans mon bureau en ce moment. Je fais ma vidéo à partir de mon bureau. Je travaille. Voilà, j'ai mes entreprises. Ça marche bien. Je suis contente. Je peux porter ma perruque comme ça. Je peux changer de perruque comme je veux. Je vends même les perruques. Donc, ça ne me dérange pas. D'accord? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, toi là, tu es un mari qui est riche ou bien tu es avec quelqu'un qui a de l'argent. Au lieu de perdre ton temps à impressionner tes amis qui ne t'aiment pas. Parce que vous, quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, vous croyez que vous avez les amis. Attends que la pauvreté te visite pour savoir si tu as vraiment les amis. Ça, c'est même un autre thème, hein? Un autre live. Attends que la pauvreté te visite. Attends qu'un malheur te visite pour savoir si tu as des amis ou pas. Attends de chuter pour savoir si tu as des amis ou pas. Aujourd'hui, tu prends ton argent pour impressionner ces soi-disant copines, ces soi-disant amis. Tu prends ton argent pour impressionner ceux qui n'ont guère, en fait, ceux qui s'en foutent de toi, en fait. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, prends cet argent pour investir. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, ou cherche une petite boutique quelque part, dont le loyer est même 50 000, 100 000. Tu prends la marchandise en Chine ou en Turquie, tu viens me meubler la boutique. Tu meubles la boutique. Tu commences à. Tu mets même une personne à l'intérieur, la personne vend pour toi. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez déjà atteint un niveau où, c'est-à-dire que vous avez honte. Vous avez honte de faire, de travailler. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un autre life. Donc, entre-temps, mets quelqu'un qui va vendre pour toi. Qui va vendre pour toi. Et l'argent rentre. Paye tes terrains. Construis ta maison. Même si c'est une maison de deux pièces, c'est ta maison. Parce qu'on ne sait pas de quoi le demain est fait. Tu comprends? On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas. On n'est pas Dieu. Que ce soit toi, que ce soit moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle grâce. On peut se positionner. On peut faire quelque chose. On peut utiliser ce qu'on a pour créer de la richesse. D'accord? S'il te plaît, femme, apprends à chercher ton argent. Cherche ton argent pour toi. Cherche ton argent pour tes enfants. Cherche ton argent pour ta vieille mère qui a beaucoup souffert sur toi. Pour ta vieille mère qui s'est beaucoup privée pour toi. Pour tes parents qui est aujourd'hui. Et apprends à être heureux. Apprends à être heureuse. C'est important. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que ta vie est finie. Il y a une catégorie de femmes, elles disent, je vis juste pour mes enfants. Je fais ça pour mes enfants. Non, 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 maman. Non. 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 Tu ne vis pas juste pour tes enfants. Quand une femme commence à me dire, je vis juste pour mes enfants, je dis, ah, tu es en train de mourir. Ça veut dire que tu es en train de mourir. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour tes enfants. Dieu t'a créé d'abord pour toi. Tu dois profiter de la vie pour toi. Tu dois être heureuse pour toi. Et ensuite t'occuper des autres personnes, y compris tes enfants. Donc cherche à être heureuse. Cherche à être heureuse. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la joie. Tu as droit au sourire. Tu as droit d'être belle. Tu vois, tu as droit à être en paix. Donc, s'il te plaît, paye le prix à ce niveau. Forme-toi. Tu veux t'inscrire pour le bootcamp? Tu peux t'inscrire pour le bootcamp. On va t'apprendre quelles sont les idées business. On va t'apprendre le marketing digital. Comment faire la publicité pour avoir des clients. Comment vendre tes produits. On va t'apprendre tout cela. Mais fais quelque chose.
Ça peut être ça peut être autre chose. Fais quelque chose. Moi, aujourd'hui, je voulais juste dire aux femmes, écoutez, créez de la richesse. Créez de la richesse. Ne soyez pas allergique à l'argent. Créez de la richesse. Ne laissez pas qu'on vous batte. Ne laissez pas que quelqu'un vous batte. La dot n'est pas le mariage, d'accord? La dot n'est pas le mariage. Tu n'as pas resté dans un mariage où on te bat parce que quelqu'un dit qu'il t'a doté. Ce n'est pas le mariage. La dot n'est pas reconnue comme un mariage. Apprenez à vous donner de la valeur. Travaillez. Soyez diligente. Aimez le travail. Une femme qui n'aime pas le travail, c'est une femme qui va beaucoup souffrir. Une femme qui n'aime pas le travail, c'est une femme qui va beaucoup souffrir. L'une des choses que moi, je fais l'effort pour transmettre aux femmes, c'est d'aimer le travail. Moi, j'aime mon travail. J'aime passionnément mon travail. J'aime énormément mon travail. J'aime travailler. J'aime créer de la richesse. J'aime quand l'argent rentre dans mon compte bancaire chaque jour. Et je n'ai pas honte de le dire. D'accord? Ce n'est pas être matérialiste. J'ai déjà traversé ce niveau-là depuis longtemps. J'ai déjà traversé ce niveau depuis longtemps. D'accord? Ce n'est pas être matérialiste. C'est juste être une femme de vision. C'est juste être une femme déterminée. C'est juste une femme qui sait ce qu'elle veut et qui assume ce qu'elle veut. Parce que c'est aussi ça votre problème. Vous n'assumez pas ce que vous voulez. Vous n'assumez pas ce que vous voulez. Vous aimez trop une vie d'hypocrisie. Donc, apprends à chercher ton argent. Apprends à te positionner. Apprends à prendre soin de toi-même. Tu comprends? Prends soin de toi. Aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée. Je ne voulais pas parce que j'ai eu une journée un peu difficile hier. Et ce matin, voilà, je ne voulais pas me maquiller. Je ne voulais pas me maquiller. Tout simplement. D'accord? Mais je m'aime assez pour m'aimer, pour être devant vous sans make-up. Je m'aime assez. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me donner de la valeur. J'ai appris à valoriser autre chose que la beauté physique. D'accord? Et vous devez apprendre à le faire parce qu'il y en a parmi vous, la même sortie de la maison sans make-up, vous ne pouvez pas le faire. Même sortie de la maison sans make-up, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est un trait de caractère. C'est un trait de caractère. Dans les personnalités, moi j'ai étudié les personnalités dans le cadre de ma formation de coaching. Et voilà, j'ai étudié les personnalités. Il y a des personnalités qui se dévalorisent et qui valorisent plus d'autres. Vous voyez un peu, tu te dévalorises et tu valorises plus d'autres. Il y a d'autres qui se valorisent trop et dévalorisent d'autres personnes. Donc, quand tu es une femme, par exemple, que tu n'arrives pas à t'assumer toi-même, ça veut dire que tu as une low estime de toi-même, une basse estime de toi-même. Et quand tu as une basse estime de toi-même, tu vas facilement tomber dans le piège des pervers narcissiques. Le pervers narcissique va prendre tes petits défauts. Le petit point qui est sur ton visage là, il va grossir ça. Il va grossir ça. Et il va te faire culpabiliser. C'est ça les pervers narcissiques. Vous voyez un peu? Donc, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Apprendre à t'accepter toi-même. Et apprendre à vendre autre chose que ta beauté physique. Tu comprends? C'est ça les grandes dames. Les femmes qui vont loin. Les femmes qui réussissent. Les femmes à qui on ne peut pas, qu'on peut pas malmener n'importe comment. Elle a autre chose à montrer en dehors de sa beauté physique. Autre chose. Si tu me parles du e-commerce, je te parle. Si tu me parles du marketing digital, on est là. Si tu me parles de l'économie, je suis là. Si tu me parles même de la géopolitique, je suis là. Si tu me parles du droit, je suis là. Je mène la conversation sans cligner les yeux. Je mène très bien la conversation. Si tu me parles de l'entrepreneuriat, comment créer la richesse, je suis là. J'ai autre chose à donner. J'ai autre chose à proposer au monde. Et c'est ça qui fait la beauté d'une femme. C'est ça qui fait la grandeur d'une femme. C'est ça qui fait l'attirance d'une femme. Vous comprenez? Bien sûr, vous devez apprendre ce genre de choses, les femmes. D'accord, les amis, je serai à Paris. En principe, j'ai une conférence avec un groupe de femmes. À Paris le 1er et le 2 juillet, le 1er et le 2 juillet, donc en principe à cette période-là, je serai là. Voilà les amis, merci encore pour votre attention, on va s'arrêter là aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Bon, rappel s'il vous plaît, disclaimer, je ne suis pas coach en relation, ne m'amenez pas sur un terrain glissant s'il vous plaît, je ne suis pas coach
en relation, je ne suis pas coach en amour. Sincèrement, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je suis dans les affaires, je suis dans le business, je suis dans l'entrepreneuriat. Il y a des coachs en amour que vous pouvez peut-être à qui vous pouvez poser cette question-là. Moi, aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur le travail, sur l'attention, faire attention au pervers narcissique et chercher votre argent. Alors, vous savez, Corinne, c'est une, si je ne me trompe pas, hein, si c'est la même, Corinne, c'est une camarade de classe. On a fréquenté ensemble au lycée de Meudon, voilà. Et certainement, elle me retrouve sur les réseaux et puis elle dit, je ne crois pas que tu sois devenue si célèbre. En fait, Corinne, tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la destinée, tu vois. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, les amis, je n'avais pas prévu parler de ça, mais je vais quand même vous parler de ça. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la destinée. La destinée. Quand tu comprends le sens de la destinée, tu vas faire les exploits dont ta génération sera surprise. Tu seras un sujet d'étonnement au milieu de tes amis. Il se trouve que moi, Corinne, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai compris ce qu'on appelle la destinée. J'ai payé le prix pour comprendre ma destinée et pour marcher selon ma destinée. C'est la raison pour laquelle je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. Tu as dit célèbre. Je ne pense pas que je suis vraiment célèbre parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas nécessairement. Mais ma vie, quand même, c'est un témoignage que on peut quitter de zéro pour devenir héros. Ma vie, quand même, c'est un témoignage pour montrer qu'on peut naître pauvre, mais finir riche. Ma vie, c'est un témoignage pour montrer que lorsqu'il y a la volonté, lorsqu'on croit en Dieu, parce que moi je crois en Dieu, lorsqu'on travaille, on peut arriver à ses fins. Tu comprends? Moi, j'ai appliqué les principes de la destinée pour devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Et je ne suis même pas encore arrivée là où je dois arriver. Je suis encore en route. Je suis encore en chemin. Je travaille encore. Je me bats encore. D'accord? Je me bats encore. Et c'est ce que j'enseigne à ceux qui sont ici. Donc, moi, j'ai compris la destinée. J'ai pris un engagement que je devais réussir dans ma vie. J'ai pris l'engagement que je devais m'en sortir dans ma vie avec des voies nobles, précision, voilà, avec des voies nobles. Donc, chaque jour, je travaille pour ça. Je ne me repose pas. Ceux qui sont auprès de moi, vous le voyez chaque jour, vous me voyez travailler. Donc, chaque jour, je travaille, je travaille. J'aime mon travail. J'aime ce que je crée. J'aime donner à d'autres personnes. Et après, Dieu bénit les efforts. D'accord? Je crois sincèrement qu'il y a ce que tu fais et il y a la bénédiction de Dieu. Quand Dieu agrée les voies d'un homme, il bénit. Vous voyez? Donc, je crois que quelque part aussi, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu a béni mes activités. C'est la raison pour laquelle je peux être dans un pays, lancer les activités dans d'autres pays et ça marche. Il y a des gens qui me demandent comment tu fais pour gérer ta multinationale aujourd'hui, parce que c'est une multinationale. Comment tu fais? Tu n'es pas quelque part et tes activités marchent. Je crois. Il y aura tous les principes que je vais vous citer, mais je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle la bénédiction divine. D'accord? Et cette bénédiction divine fait en sorte que aujourd'hui, dans ma génération, franchement, dans ma génération, ceux qui s'intéressent au business me connaissent. Dans ma génération, tu ne peux pas parler de e-commerce, appeler cinq noms sans appeler mon nom. D'accord? Voilà, tu ne peux pas appeler cinq noms aujourd'hui quand on parle du e-commerce sans appeler mon nom. Dans les 5 années qui suivent, peut-être, je ne sais pas où je serai, parce que je sais que je vais continuer à grandir. Je sais que je vais continuer à évoluer. Je sais que je vais continuer à être un sujet de joie, de bénédiction, de faveur, de prospérité. Je le sais. Je le sais. Vous voyez un peu? Je le sais. Je le sais. Peut-être dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. Peut-être que c'est les présidents qui vont me recevoir. Ah, mes soeurs, on dit de déclarer ce qu'on veut voir, non? Voilà. Peut-être c'est les présidents qui vont me recevoir. Peut-être c'est les Nations Unies qui vont me recevoir. On ne sait pas. Mais on avance. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'avance. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je travaille. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je veux le bien de mon prochain.
Voilà, je veux le bien. C'est pour ça que je veux me connaître pour vous parler comme ça. Je sais que quand je finis de parler comme ça, il y en a qui étaient malades qui seront guéris. Il y en a qui avaient perdu espoir, qui vont regagner espoir. Je sais qu'il y en a qui avaient même déjà dit, ah, je fais un quoi ici, qui vont se relever, dire que si Marthe Karina dit, ça veut dire que c'est possible. Si Marthe Karina fait ça, ça veut dire que c'est possible. Je me donne une seconde chance. Voilà, j'aime mon prochain. J'aime voir mon prochain grandir. J'aime voir mon prochain évoluer. J'aime voir mon prochain être à l'aise. J'aime ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vous voyez un peu, c'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà, les amis. Donc, les amis, on a passé un bon moment ensemble. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention, pour ceux qui veulent le livre. J'ai deux livres. Un livre, les deux clés de succès. Et l'autre livre, c'est Proclame sur ton business. Donc, contactez toujours mon secrétariat ou allez sur les informations qu'on met sur la page. Vous allez voir toutes les informations là-bas. Pour ceux qui veulent le livre, vous achetez le livre, vous achetez les livres. J'ai un seul livre sur Amazon pour l'instant. Ça fait partie de ma stratégie marketing. Donc, un seul livre sur Amazon. Et le deuxième livre, c'est à 7 h, c'est sur commande, quoi. Vous passez la commande, on va vous livrer tout simplement. Prenez soin de vous et on se retrouve une autre fois.